tous, ici Morgan von Brelan. Et on se retrouve sur Moule Pénis du Décès. Nous avons exploré la très flippante partie de Bois du Thon, qui est maudite ou hantée ou... Est-ce qu'on n'est pas à retourner exactement là où on était? On dirait bien. J'aurais juré qu'on allait dans la direction opposée. Eh bah, peut-être, mais ici, il y a un truc bizarre magique qui se passe. Ah, alors, c'est maudit, comme nous. Ouais, on est exactement de place. Mais on aura probablement du mal à traverser cet endroit sans direction. À chaque fois que je perdais mon chemin, je comptais toujours sur un certain poisson chanteur pour me guider. Et je préfère encore rester ici que de continuer d'essayer de deviner par où il faut passer. C'est débile. D'accord, mais du coup, on peut vraiment pas y aller? Merde. Parce que je sais pas pendant combien de temps ça dure. Faut que j'oublie que j'ai mon dash aussi, hein. À gauche, ensuite il faut retourner là. C'est pute. Bon, s'il y a plus de trois chemins, moi j'abandonne. Hein. Oh, il y a plus de trois chemins. Ok, bah. On y retournera. Allez, un dernier essai. Allez là. Tournez là. Allez là. Et en bas. Non. On va aller. Bien. Tourne là. Et on tourne en arrière. Non. Bien. Ah. Et allez, il devrait y avoir plus de 5 chemins. Comme ça. Comme ça. Par là. Par là. Et repar là. Non. Par là, par là. Par là. Par en haut. Et en arrière. Non. Par là. Et par là. En gauche. Et en bas. Aha! Ah, encore plus de serpents. Ah! Un comité d'accueil pour célébrer notre succès à traverser cet endroit de merde. Comme c'est touchant. Désolé de vous avoir fait porter les gars, mais maintenant qu'on est là, que la fête commence. Mais il y a encore que je les déglingue. Ouais. C'est-à-dire que ça, j'étais censé les refaire il y a longtemps, en fait, j'ai l'impression. Enfin non, c'est pas ça, c'est que j'avais la possibilité de le faire il y a longtemps. Vous avez trouvé un brillant... Ah, un truc en argent brillant qui pique et qui fait des étincelles. Pogillian. Oula, 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 oula. Eh, ça m'embête de devoir le lire, mais je pense pas que cette porte peut être botable. Mais c'est une porte! On doit pouvoir la défoncer. Il faut juste plus de pratique.
Cette porte ne bouge pas. C'est toi qui as dit qu'il fallait plus de pratique. Alors qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Fantôme! Ça ressemble à rien d'autre qu'on a vu dans cette forêt. Et ça pourrait être puissant. On devrait peut-être pas s'en approcher. Ah, bonne idée! Puis maintenant il nous aggro pas. Bon, ta passe! Je te prends le village! Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Cuttle Buddy aussi. Bidubidu. Oh! C'est puissant ce qu'il met en plus. Mais par contre, c'est une la chier ce qu'il met. Attends, encore une fois, c'est un boss qu'on était censé pouvoir tabasser il y a longtemps, donc on va juste le taper aussi fort qu'on peut et... C'est rigolo ça. Mega Pop Slap. Oh. Mine de rien, elle encaisse, hein. Mega Pop Slap. Oh. Il encaisse. Oula. Ah, intéressant. Cependant. Bah cependant, j'ai même pas besoin d'utiliser le truc de bruit, puisqu'il y a. Ah bah. Banshee Buisson. 5 à 8 dégâts à tous les adversaires. Remplace tous les effets négatifs de la barre ennemie par de la lenteur. Ah. Intéressant. Ouais. Alors par contre... Je vais noter le chemin. C'était en gauche. En bas à gauche. En haut à droite. En haut à gauche. En bas à gauche, si je me souviens bien. On va sortir et je vais refaire le chemin vite fait. Pour être sûr. C'était en haut à gauche, en arrière, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. C'était bien ça. Ok, bon, bah, si pour y retourner un jour, c'est que j'ai le chemin. Allons voir Gillian et donnons-lui son truc. Voilà, merci pour la hype et les PV. C'est une fourchette. Ouais. Et donc? C'est quoi? J'ai changé d'avis. Obligé de demander ça. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Et merci, hein. Tiens, voilà un petit dédommagement. Pas peine. Merch. Retire tous les effets de la barre du joueur. Ah, c'est pratique, ça. Petit effet de purge. Ok! Alors. Ah oui, on pourrait retourner voir Foggy. Il y a ce truc, on sait pas ce que c'est, on sait pas où ça va. Et c'est tout? Non.
T'as pas tout fait. Oula. Il veut le bouffer ce truc. Bon après, je pense que ça vaut. Et ça, cache-toi, cache-toi, cache-toi. N'oubliez pas de toujours bully les ennemis les plus faibles. Raté. Je savais que ça te prendrait pas longtemps de venir me voir. Non, pas plus tard. Bon bah on va juste aller prendre le bus vers Ho-Ho. J'imagine. Je me souviens d'un drôle de boy. Ah oui non, c'est la fête là-haut. On va refaire un petit tour de la ville. Parce qu'apparemment il y a une quête secondaire que j'ai loupée. Ah. Il parle d'un groupe qui s'appelle Mutila. Et qui ont transformé leur propre corps en instrument de musique. Ce qui est excessivement métal, je dirais. Lui non, il parle pas. Ça, c'est chez les platines délicieuses, mais elles sont pas là. On va retourner voir notre fan club. Ah, c'est pas là, ça c'est chez la mère de Brief. C'est le petit frère de Brief. Je dis que maman est allée voir chez Fake, qui vous a laissé une note, vous l'avez vu? Non pas que j'en ai quelque chose à foutre. Ah non, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu, merci de l'impôt, petit frère. Et c'est une note de ma maman. Et Brief, pour des raisons évidentes, je ne peux pas compter sur Rosé pour transmettre un message, alors je t'ai laissé cette note. Juste pour dire, je vais à Ho-Ho pendant quelques jours, pour voir des amis. Peut-être que Rosé pourrait apprendre à apprécier mon absence. Mais j'y compte pas trop. J'espère que je vous manquerai pas trop. À plus, on se revoit plus tard. Votre mère, ta mère adorée. Bisous. Ah, ma mère est à haut. J'imagine qu'on la verra là-bas. Ah, et puis là, lui. Parti. J'ai un problème de page blanche en ce moment. J'ai beaucoup peint pour pas perdre la main, mais je sais pas. Peut-être parce que je suis pas assez sorti. J'ai besoin d'excitation dans la vie, juste pour récupérer un peu l'aspiration. Eh, t'es un musicien, pas vrai? Peut-être que vous êtes exactement ce qu'il me faudrait. Ah bah là, voilà la quête secondaire. Ah, vraiment cool d'entendre de la musique qui implique les cheveux de taré, des baleines et des slam dunk. Alors, les cheveux de taré, bah, ça c'est juste le face melter. La baleine, voilà, c'est la 0 Hertz. Et Sam Dunk il est là. Ouais. Alors. Vu que cette porte est sur un pupitre, je sais plus comment s'appelle ces trucs. Alors on va l'utiliser comme, comme toile. Allez-y, inspirez-moi! Je me suis trompé d'attaque. Oui.
Oui, c'est ça! C'est exactement ce qu'il me fallait! Oh! Je jurerais que vous jouez encore mieux à chaque fois! Non! Incroyable! C'est tout ce que je pensais que ce serait, et même encore plus! Ah! Non, mon basketball! Laisse-moi faire du basket! Non! Je voulais voir le basket! Ah d'accord, c'est bon, je gagne pour recommencer. Parce que je me suis trompé de... Je me suis trompé d'attaque au début. Oh, d'accord. Waouh! Quelle magnificence vous délivrez! Wouh! J'arrive pas à y croire! Quel spectacle! Je déborde d'inspiration! Je peux la sentir gonfler au fond de mon âme! Vous méritez le monde et bien plus encore, mais tout ce que je peux donner, c'est ça! Alors, c'est un patch du Club Buy. Ah, j'aime bien le logo. À chaque fois que le porteur effectue une action, il y a une chance sur 20% de chance qu'il boive un Bountiful Barrier, ce qui soigne toute l'équipe de 33%. Oh. Pas mal. Ok, ben on a bien fait faire le tour. Bref. Ça fait des trucs de dingue. Ça fait la tough très très pour. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Allons nous soigner un petit coup. Sauvegarder un petit coup. Et direction. Ho je bois un coup. Pensez à vous hydrater, les enfants. Puis les adultes aussi. 5000 balles. Donc, tellement de trucs. Et fais attention. Comment ça, fais attention, je t'emmerde. Scoop Diggs, c'était ça. Après, ben là, il y a juste les petites courses de Foggy. Les tickets avec les codes là, mais je les ai pas tous trouvés. Je vais être sincère, je peux avoir la flemme de tous les faire. Mais il y a sûrement beaucoup d'autres quêtes secondaires qui traînent. Hein. On est qu'au début du jeu là. Nye. Hey, salut. Hey. Ça m'éclate que tu sois tout le temps en train de courir partout comme ça. J'ai vu au pub aussi. Et tu es resté aussi tard. Je suis vieux. Ouais, bah il est vieux, hein, qu'est-ce que je te dise. Oui, il y a du monde. Il y a des platines! Ouh! Hey! C'est moi! Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas vraiment. Et vous? Rien du tout. Vous avez monté dans le bus aussi? Je veux dire, on espère monter dedans. Mais on n'a pas encore nos tickets. Oh, et bien ça, vous y prenez vraiment à la dernière minute. Votre attention, détenteur de tickets! Il est l'heure de commencer le processus d'embarquement. Tous les passagers de première classe, embarquez!
Bon, eh ben, nous, il faut qu'on y aille. On s'en verra peut-être sur le bus. Vous avez pris les tickets de première classe. Mais ça coûte combien? Je veux dire, s'il y avait bien un moment où il fallait dépenser. Peut-être qu'on aurait dû prendre des tickets de première classe aussi. Un super moyen de s'éclater, de se remonter avant le tournoi! Qu'est-ce que... Veille, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai que Brick, il a pas tiqué qu'on pouvait crever et qu'il fallait tuer tout le monde. Allez, vous deux. On va se faire voir sur le bus. Croisant les doigts. Ça devient problématique. Ok, maintenant que les VIP de première classe sont bien à bord, tous les autres, entassez-vous dedans. On a déjà embarqué, on devrait se dépêcher et acheter des tickets si on veut monter. Sous vos tickets. Juste une petite minute, on va la récupérer. Il vous reste des tickets? Non! Bon, et bah, c'est une réponse. On va rester ici. Ah, la ferme! La ferme de quoi, Faye, hein? La ferme ta gueule? Avec plaisir. Peut-être que si on demande gentiment au conducteur, il nous laissera passer quand même. Vos tickets. On n'a pas pu en acheter. Il y a moyen qu'on monte quand même? Bien sûr que non. Je crains que vous ne deviez attendre le bus de la semaine prochaine. La semaine prochaine? Bah, on doit faire de la maintenance. Désolé pour le désagrément. Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'embarque pas dans ce bus, on arrivera trop tard. Hey, une petite minute, vous êtes un de ces groupes maudits, n'est-ce pas? Vous avez la capacité de combattre avec de la musique. C'est une bénédiction, pas une malédiction! Ok, gamin, pas la peine de t'exciter. Vous savez, vous pourriez être mon ticket d'or vers un bus sans fantôme. Comment ça, sans fantôme? Comment ça, sans fantôme? Eh ben, le deuxième étage du bus est hanté avec plein de fantômes mécontents. Des fantômes! Oh putain, voilà. J'ai dit la voix de Yann quand il file, pourquoi pas? C'est vrai que du coup, il a la même voix. Ouah, incroyable! Si vous pouvez nettoyer les fantômes, vous pourrez utiliser toute la suite première classe premium plus qui se situe tout en haut du bus. Si vous arrivez à grimper tout en haut, vous l'aurez mérité. Non, et bah c'est la seule option, j'imagine. On y va! Excellent. Dites-moi quand vous serez prêt, je vous montrerai où aller. Bon, on est prêt, on y va. Attends un peu. On va pas être aussi. On va pas avoir aussi hâte de partir et de quitter Bobstead. Quoi encore? Si je dis, on sera probablement pas capable de revenir ici pour un moment. C'est vraiment le moment d'aller courir à travers la ville pour tout finir. On va rater le bus si on continue. Non, parce que c'est fait ce qu'il faut, hein, on a le temps. Hein? Mais vous n'avez pas un horaire de départ? Et si je peux me faire défantomiser le bus? Je suis prêt à mettre à l'épreuve la patience des autres passagers. Mais ça n'est pas trop non plus, hein. Non, mais moi j'ai. Je peux peut-être passer vite fait la boutique vérifier si j'ai bien toute la marchandise. Parce que ça, c'est des patchs. Ça, c'est de la merch. On tient tous les effets négatifs de la barre du joueur. Ah!
La salle bip, couvert de monnaie. Ah merde, 888. Et bah je l'ai pas parce que j'ai pas le pognon. Et j'ai pas de moyen de farmer. Vu que c'était un RPG pour sortir sans inventaire, on ne collecte pas des milliards d'objets qu'on peut revendre. En bon, on y va. Oui, allez. Bien, bien, bah. C'est dommage que l'état supérieur soit en service. Un avis de ma taille n'est pas compatible avec ces sièges. Ces misérables sièges de seconde classe. Mais hey, je vais enfin aller à Voho. La terre d'origine de tous les bodybuilders. J'ai hâte de me faire de forts amis. J'aurais dû faire beaucoup plus tôt, mais... Merde, il est connerie, hein. Ouais, c'est tous les emmerdeurs qui... Non, je m'en fous. Oui, c'est que vous êtes fan d'Apocalypse, c'est les emmerdeurs qui vont au fond du bus, je sais. Il y a combien d'étages dans ce bus? Oh putain, alors ça c'est pas vraiment quelque chose que j'ai pas envie de voir. Ouah. 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 Alors déjà, bordel de merde, il y a combien d'étages à ce bus? Pourquoi ce bus est plus haut que long? Et ouah! Délicieuse sans perruque et sans maquillage, ça fait bizarre! L'enthousiasme de Brip pour le tournoi est un peu... perturbant, mais... J'imagine qu'on a tous nos propres moyens de gérer ce qui se pointe à l'horizon. J'ai promis à Platine de rester... strictement positif durant notre temps sur le bus. Donc, on va peut-être devoir prendre exemple sur Brave. Yeah! Hey! Vous avez pu monter! Peut-être Mimi avec les cheveux lâchés comme ça. Ah, tout juste. Mais pourquoi vous allez à haut? Je sais pas, j'avais envie! Donc à propos, est-ce que c'est brief? On peut pas trop en parler, on peut éviter d'en parler là maintenant? Ouais, d'accord. Nous avons décidé qu'aucune onde négative ne serait autorisée dans la zone de première classe. Allez, Faye, laisse tomber tes cheveux! Mets your hair down. C'est une expression que je connais pas. Relaxe-toi, relaxe tes cheveux. Ouais, je pourrais me relaxer si on n'avait pas tout un bus à dépantomifier, déspectifier. Comment dire? Exorciser? Ouais, exorciser. Ouh, des fantômes! Comme c'est intrigant. Ouais, à ce sujet, on devrait y aller. Le conducteur s'impatiente. Vous n'avez pas besoin d'aide? Non, ça ira. Vous avez dû bien dépenser pour la première classe, alors profitez-en. Wow, quel palais! À part les toiles d'araignée, c'est vrai que c'est flashy ici. Tu rigoles? Les toiles d'araignée, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout ce qui peut émousser un peu le vernis de ce décor rococo est plus que bienvenu, à mon avis. Eh ben, ton avis a besoin d'être retravaillé. Alors, c'est quoi cette histoire de fantôme? Pas sûr exactement ce que c'est, mais il refuse de partir.
nos places les plus luxueuses. Bande de divas, si vous voulez mon avis. J'ai essayé de les faire peur moi-même, mais en fin de compte, c'est les spectres. Et tous les patates et les trompettes les plus immaculés du monde ne leur fera pas peur. Mais j'ai le sentiment que des dégâts musicaux... Enfin, j'ai un bon pressentiment à propos de vos dégâts musicaux. Si vous voulez parler aux passagers, vous pouvez l'intérieur le faire, parce que moi, je verrouille la porte derrière vous. Et qui a intérêt à faire ça? Les fantômes peuvent pas juste passer à travers la porte? C'est plutôt pour éviter que les passagers ne grimpent ici. Heureusement, les fantômes s'y plaisent trop pour descendre. J'imagine que j'aurais au moins de reconnaissance pour ça. La situation pourrait être bien pire. Vous êtes prêts? Ouais, les passagers disent que de la merde. Eh ben, j'imagine que ce sera un bon entraînement pour la baston des groupes, hein? Ça tombe bien, hein? Croyez ou pas, j'ai aussi des amis à moi qui sont inscrits au tournoi et ils sont même pas musiciens. Complètement con. Mais bon, bonne chance! Et merci encore, hein! Ok, tout le monde est prêt? On va lucer. J'ai pas la ref. C'était quoi ça? Les fantômes sont furieux! Ils savent qu'on va les confronter! C'était peut-être une mauvaise idée! Et voilà, on pourra peut-être juste rester ici pendant tout le voyage et il n'en sera pas! Excellente idée, Faye! Excellent! Considère-moi comme un fier supporteur de cette idée! Allez! Vous avez déjà oublié à quel point on était solide quand on s'est battu dans le sous-sol de basse? On était une putain de bonne équipe et vous le savez, ça ira! Ouais, peut-être. L'image de Glamourella dans la fleur de l'âge. Tué par la foudre durant une performance en direct. Quelle manière de partir. Oh. J'avoue. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ça va, ça va? Très bien, je vais très bien. T'es sûr? T'es passé à travers la fenêtre? Ouais, sacré rush d'adrénaline. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour aller aussi haut? Putain, mais au niveau des nuages, quelle hauteur fait ce bus? Ça veut dire que je peux sauvegarder votre partie? Vous pouvez sauvegarder? Non, je suis dans une relation monogame avec l'autosave. Non! Je suis polygame avec l'autosave. Box, ça va? T'es laissé embarquer par l'autre timbré? J'avais repoussé ce voyage pendant trop longtemps. Mais il fallait bien que je m'y mette. Bande de tarés! J'ai cru que vous étiez des fantômes. Comment vous avez fait pour vous éclater à travers une fenêtre aussi haute? Dans une de mes boîtes, il y avait des rollers avec des fusées. J'ai défié Saïvan de les utiliser pour attraper le bus. Je dois le reconnaître, elle l'a fait. Elle m'a même laissé lui monter sur le dos et tout. Et ouais, croyez-le ou pas, j'ai réussi à introduire du matos à bord. Si vous voulez vous restocker, je suis là. Ah, je suis plein, tout va bien. Je sais pas pourquoi je joue, c'est toujours la même chose. Rien n'a changé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais te fondre la bouche. Ouch. Cri astral. Quoi? Ça fait à peine mal.
Absorber la lumière. Ok, j'ai pas compris ce que ça fait. Miaou. Doute, doute. Super cri astral. C'est pas mal. Méga pop slap. Oh. Méga pop slap. Oh. Seal. Dégager à tous les adversaires une mesure de hâte pour chaque ennemi touché. Ah. C'est intéressant en vrai. Je vais le garder en soin. Quoique. Je le garde en soin. On est plutôt en bonne de dégâts. Hein. Mesure de hâte. Le crescendo. Le crash crescendo. Qui amplifie la barre. C'est pas mal ça. Si on veut soigner les objets. C'est pas une note ça, je peux pas le lire. Oh là 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 là. Comment tout ça rentre dans un bus? Oh il est beau. Ils sont beaux. Ring, ring. C'est joli. Piste 12 explicite. Ah non! Ça veut nous faire fondre la... la barre. Et ça amplifie. Je sais plus ce que ça fait d'amplifier. Ça augmente la régène de hype de 10% et tous les dégâts infligés de... Oh! De plein. Bon, machin qui nous débuffe par contre, c'est non! Oh! Tu vas monter un Cuddle Buddy. Ah. Du coup avec ça on a plus besoin du cœur brisé hein. Juste méga pop slap ça te couche. Oh. Pas mal. Un peu mal. Voilà. Quelle hauteur fait ce buste? Juste pour me la péter. Alors, qu'est-ce qu'on a? De hâte. Partie zone club mix. Ok, petit soin, c'est nul. On invoque notre petit pote. Important. Brin. Hair Shredder. Trop pipou. Ah non, ma barre. Prêt. Moi, je veux amplifier ma barre. Aïe. Aïe. C'est qu'ils font mal, hein. Mmm!
Voilà, c'est non. Mega Pop Slap, et ça dégage. Restaure 20 à 32 points de vie à tous les alliés. Oh. Pas mal ça. Toi du coup, cœur brisé, t'en as plus besoin. Hein. Réjuvénation agressive, c'est parti. Ah, et là on redescend. Ok. Donc c'est ici le sommet du bus, je suppose. C'est là où je suis juste en train de tourner en arrière comme un abruti. Je pense que, c'est ce qui vient de se passer. Je suis retourné en arrière. Bravo. Oh. C'est incroyable ce fantôme. Qu'est-ce que c'est que ce design? Oh, je l'adore. On va amplifier la barre. Prêt. Non. Vous ne vous protégez pas. Refusez. Oula, effectivement, c'est agressif. Prêt. Ça, c'est pas possible. On va refaire un face melter. Ah, ça embête, si je fais ça, ça va virer notre petit pote. On a vraiment pas envie. On va juste faire un méga pop slap sur sa tronche. Ah, et ça suffit. Mika Pop Slap sur sa tronche. Non mais le Cuttlefish est trop bien, la sèche. Sèche. Level up. Ascenseur, comment ça ascenseur? Pourquoi il y a un ascenseur dans un bus? Au secours, ça continue de monter! Ah bah. Ouais, je suis content. Faut vivre avec ton époque, Pay! On est au 10ème étage. Bon bah, allez, allons à l'étage supérieur. Au 9ème étage, pardon, au 10ème. Le bus à 10 étages, au secours! Ah! Ah. Petite sieste. Et on va s'arrêter là. On va poursuivre nos aventures sur ce bus terrible et hanté. Box, ça va? Ça y va, a pris peur, il a voulu se cacher derrière ce bureau. Et ça sera juste pas sympa si je lui tenais pas compagnie. Garanti, bah, elle est vendue. Si vous pensez que je me cache ici parce que j'ai peur des fantômes, et bah vous vous trompez. Je suis ici uniquement parce que Box a eu peur et que ce serait pas sympa de pas lui faire compagnie. D'accord. Bon, et ben on va se laisser là
et finir ce bus à la hauteur infinie au prochain épisode. Au revoir à tous et à la prochaine. À la prochaine.